Le sens de la fête, Éric Toledano et Olivier Nakache, c'est le film choisi par Marta Bella. Oui, c'est moi. Du coup, faut que je fasse la critique maintenant? Non, le résumé, le petit pitch. Résumé, Vite fait, c'est vite fait. assez simple. Jean-Pierre Bacri, Max, qui doit organiser un mariage. Voilà, qui est or Voilà. son métier, c'est organisateur de mariage. Et donc, Voilà. voilà. Du coup, il Il a le drive un stress. groupe, une équipe pour organiser un mariage avec. Organisateur événementiel, je crois, Voilà, le... exactement. C'est son Voilà. métier. Guillaume, comme tu as pris la parole. Bah, c'est Je vois que tu as dommage, préparé une. je trouve. Est-ce que c'est pas un peu facile, quoi? L'idée est intéressante, il y a matière à faire des très bonnes choses sur une belle idée originale. Et pourtant, bah, on préfère, je trouve, pas prendre de risques, utiliser des gags éculés. On la joue à l'expérience avec des profils d'acteurs vieux comme le monde également aussi. En fait, le film, il semble vieux, je trouve. Presque le ringard à certains moments, on le frise. Alors forcément, ça marche bah, certaines fois, on sourit, voire au mieux, on rigole. Mais c'est peu par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un Toledano Nakache et encore plus avec Bacri. Alors forcément, quand on est capable de faire un film comme Intouchable, parce que moi, perso, j'avais adoré Intouchable et j'avais trouvé très mérité le succès du film, ou même comme Samba, plus récemment, que j'avais bien aimé, bah, je mets la barre assez haute automatiquement quand je rentre dans le cinéma. Après, en ce qui concerne Bacri, bah, je sens qu'il... En fait, il fait carrément le job. Et moi, je suis assez admiratif de cet acteur qui est, je trouve, un peu sous-exploité. Oh, il est pas Et sous-exploité, il fait bah, je plein le de trouve un films, peu... tu Mais plaisantes. t'aimes les films, gros. Bah, Grand Froid, il en tu fait penses à plein, Grand il fait Froid? le même rôle à chaque fois, mais Bah ouais, mais c'est lui qui s'est justement, enferré dans ce rôle-là. je trouve qu'il est sous-exploité. Et sérieusement, tu Bah, sens que quand il joue, il il en sait a déjà tout sous la faire. pédale. Et c'était le mot pédale que tu me disais quand Ouais, mais j'écrivais mes critiques tout à très l'heure. bien. Tu te souviens? Tu me Ouais, caressais l'épaule, tu me disais, t'as dit pédale? exactement, Comme ça. exactement. Et Tu es bref, perturbé? sous-exploitation d'une belle idée, j'attendais plus vraiment d'un Toledano Nakache. Julie Claude Silva. Je n'attendais rien. D'un Toledano Nakache. Voilà. Mais tu sais qui sont Non, mais j'ai aimé ces gens? Samba, j'ai aimé Ah, voilà. Intouchable. Voilà. Après, tu dis que c'est un film facile, je suis pas d'accord, c'est pas facile. Il a réuni un casting de Aucun film n'est ouf. facile, hein. Bacri, qui tient tout le film, moi je le connaissais que dans ses films duo avec Jaoui, que j'adore quoi, au bout du compte, Un air de famille, Cuisine et dépendance, bref, Lellouche, Jean-Paul Rouve et Vincent Macken. Et il y a un humour sans pathos, c'est bien dosé, chaque personnage est minutieusement croqué. Moi j'ai ri du début à la fin, j'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer et Dieu sait que je m'endors ou je me fais chier au ciné. Moi, j'ai vu ça avec Blade Runner. Merci, merci. Ouais, mais j'ai tenu, hein, 2h49, merci à toi. Il n'y a pas de mépris de classe, c'est pas prétentieux, on accepte la convention, l'absurde, la super facile, super. Officialité. La superficialité. Franchement, c'était super chouette. Charlotte. Ah, moi, j'ai pari. Ah. Mais Ah, Charlotte, je crois que voilà, la fonction j'attendais. rire n'est pas mise à jour. Non, mais c'est pas une meuf qui aime la joie de Mais vivre. arrêtez, mais non, mais le film est bien, Elle tue des il chats, est je crois pas que je les ai vus mal, il aussi. y a des bons moments. Moi, Bacri, j'adore. Il y a le jeune marié Benjamin Laverne qui, moi, qui était Comédie celui, française, comédie comédie française, française. ouais, Oui, c'est mais ce que c'était le j'allais dire. seul Mais il y en qui me a faisait rire trois. Il y en parce a qu'il trois de était. la comédie Il y en française. a Il y deux avait qui font un deux, rôle, deux du premier, voilà, du début. oui, mais enfin bon, moi c'était le très, seul qui me très faisait rire parce qu'il périphérique. était juste. Il y avait des, franchement, des bons moments. Après, moi je trouve que le rythme il est pas soutenu. Je me suis ennuyée, pas dans le sens où il y avait des longueurs, mais dans le sens où j'ai trouvé ça parfois balourd. Et pourtant, c'était un film français avec lequel j'y allais sans trop de réticence pour une fois. Et je trouve que c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus drôle en jouant plus sur les situations qu'en rajoutant, en surjouant, En en expliquant rajoutant de la quoi. boutade. Non Et mais moi, la j'ai été déçue situation du là-dessus. ballon, mais tu t'es pas pissé Alors, dessus. C'était spoil pas, spoil pas, la spoil pas, meilleure spoil scène, on pas. est d'accord. Mais après, du reste, c'est balourd, c'est trop, je trouve. Éric Toledano, Olivier Nakache, un nos jours heureux, intouchable. On est dans la comédie populaire, hein, on est dans 100% franco de porc, casting interracialo-générationnel, le vivre ensemble, tout ça. On essaie de balayer très large avec un Bacri carte vermeille, une poignée de jeunes acteurs un peu branchouilles ou très bankable, Alban Ivanov. de la vanne par transpalette, hein, des guests à foison, Jean-Paul Rouve qui fait le café, des petites références à Birdman pour aguicher le bobo hipster vegan des abeilles. T'as reconnu Jackie Toto des cours Florent? C'est oui, exactement, bien sûr. On t'embrasse si tu nous regardes du ciel. C'est vraiment calibré pour plaire au plus grand nombre, pour jouir d'un certain consensus.
et l'ensemble est plutôt réussi. Qu'est-ce c'est qu'on a fait au bon Dieu. C'est sympathique au semble noble du terme. Hein. Toledano et Nakash sont des réalisateurs dont le talent premier est d'arriver à générer de l'empathie, de la sympathie, de l'adhésion pour leurs personnages finalement assez rachitiques, hein, il faut le dire, pour leurs histoires qu'on a déjà vues 200 millions de fois. Ils ont cette capacité, ce talent, ce génie, ils ont ce savoir-faire. Et le film repose exclusivement sur donc, ce régime de sympathie. Pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, malgré beaucoup de défauts. En fait, il y a tellement de choses, le film est tellement long, qu'on finit par baisser sa garde, par... voilà, on baisse prise, on lâche prise, on se retrouve pris à l'usure, on rit, c'est vrai, moi j'ai ri, je me suis pas esclaffé, je me suis pas tapé le cul par terre, j'ai pas trouvé ça hilarant, mais ça se laisse regarder du coin de l'œil. Je n'ai pas envie de dire que c'est une réussite, puisque je trouve ce film en dessous de leur meilleur, comme Nos Jours Heureux, ou Intouchable. Il y a à boire et à manger, c'est bon enfant, c'est familial, mais personnellement, j'attends plus du cinéma. Martha Bella. Eh bien, on pourrait faire un slam avec ta critique, Quentin. Alors, ben, moi, j'ai eu un moment de doute. J'ai failli regretter mon choix quand j'ai vu qu'il y avait notamment Lelouch à l'affiche. Ouais. Mais en fait, j'ai pas pris une super trempe, mais finalement, j'étais contente, car c'est le seul film sélectionné avec une happy end. Pas de mélancolie dégoulinante de White Spirit, ni de feu d'artifice d'effets spéciaux bling-bling à faire rougir le compte en banque de Trump. Mais une comédie simple et efficace, Bacri en forme, qui pousse un peu cependant au risque de... Enfin, il pousse un peu ses partenaires à ramer dans sa semoule. C'est un film, je trouve, libre-service. Un film libre-service. Pas un film 3 inventes, étoiles. Tu inventes. C'est un film service public. Ça m'a pas lassé. Voilà. On repassera. C'est un film inventif, mais à voir. C'est bon pour le moral et pour le transit, sur un transat de salle obscure. Ouais. Après, tu es au courant que personne ne comprend ce que tu dis, quand même. Hein. C'est pas moi, grave. Je comprends. Julie comprend. Mais toi, tu es drogué, comme elle. C'est constructiviste. C'est de la poésie minimaliste. Bien sûr. Après, donc, après Intouchable, qui avait vu consacrer Omar Sy, je crois, César de... C'est ça, César du meilleur acteur qu'il a volé à Dujardin cette année. Est-ce que Dujardin. Si, si, c'était l'année où Dujardin a tout eu. Et il n'a pas eu César. Tu sais, il avait eu le Golden Globe, Oscar, tout ça. Il n'a pas eu César. Donc, est-ce qu'on se trouve là face à un nouveau film à César? J'en ai bien peur. Non, mais non. J'en ai peur. Évidemment que non. Mais non. Là, j'y crois pas. Ce qui me fait dire non, c'est qu'il n'y a pas de performance d'acteur. Mais tu plaisantes. Pas forcément de la performance d'acteur, du film en lui-même. Est-ce que c'est. Mais même, qu'est-ce que c'est 3, 4, 5 Oscars. Un César, je veux dire. Un touché. Il y avait une réalité, il y avait une histoire à raconter, il y avait un présent. Là, il y a une noire qui est remarquable. Il y avait un noir et un handicapé. Combien y a-t-il et de noirs dans le film? On va tous t'écouter. Il y a très peu de noirs. Il y a magnifique. Il y a deux, trois noirs. Il y a quelques Pakistanais pour ceux. Il y a peut-être quelques Asiatiques. Il y avait un noir, un handicapé, une rousse. Ça touche tout le monde. Ça fait passer un bon moment, quoi. Vraiment, c'est génial ce film. Vraiment, on va comparer. Je conseille à tout le monde, même à mon père. Oh là là, elle le déteste, son père. C'était la prière juive de Julie. De la fête de Eric Toledano et Olivier Nakache, film choisi par Martha, qui a obtenu la note moyenne de 5,6, juste au-dessus de la moyenne. Film correct, Martha. Bravo, Martha. Suivez vos efforts.